Salut tout le monde, bienvenue sur WWE Supercard pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Elle n'était pas du tout prévue il y a quelques minutes. Regardez un petit peu le logo qu'il y a juste à côté de mon pseudo. Oui, je suis niveau WrestleMania 34, mais, on va mieux prononcer les mots, mais ce n'est que temporaire. Car voyez-vous, j'ai 3 cases momentum pour cette semaine. Parce que j'ai marqué beaucoup de points en ligue, et j'ai mis Triple H, Alexa Bliss et Naomi dans ces emplacements de momentum, mes cartes les plus fortes, et ces cartes gagnant de la puissance me font quand même un petit peu progresser. Certes, de façon temporaire, mais ça compte. Et j'ai fait pas mal de matchs en sauvage pour améliorer Triple H avec l'expérience qu'on acquiert lorsqu'on fait des matchs, et là... Boum, petit match en vitesse, 10e match en vitesse, plus 880. Évidemment, j'ai pas amélioré que la vitesse, hein, vous le voyez, j'ai également amélioré la puissance par deux fois, la robustesse et le charisme, pardon. Donc voilà, j'ai amélioré ça, j'ai également amélioré Naomi qui est désormais à fond. Et du coup, ces petites progressions ont pu me faire passer au niveau WrestleMania 34, parce que lorsque j'ai placé ces trois cartes dans les cases Momentum, j'étais... au bout du niveau titanesque plus, et maintenant je suis niveau WrestleMania 34. Et vu que c'est temporaire, il faut en profiter tout de suite. Déjà, première chose, j'ai une récompense de progression. Alors je vais me calmer un petit peu, mais c'est énorme quoi. Donc là c'est la réussite, pardon, c'est pas tout de suite la progression, on verra les progressions justement. J'aurai deux cartes à récupérer, je récupère les crédits parce que, hey, j'ai eu le succès, la réussite, pardon. Faites la fête comme une superstar, les superstars de WrestleMania 34, et je vais tout de suite récupérer ma carte Fluby. Bon, j'ai une semaine pour le faire, 6 jours, pardon. J'ai exactement 6 jours pour le faire, mais pourquoi attendre maintenant que je suis niveau WrestleMania 34? En tout cas, je le suis pour à peu près 6 jours parce que... c'est pas certain que j'obtienne de nouveau 3 cases momentum pour la ligue d'après. Généralement, j'en ai 2. Le plus souvent, j'en ai 2. Après, il m'arrive effectivement d'en avoir 3. Mais vraiment, quand je joue beaucoup, et ces temps-ci, j'ai pas forcément l'intention de jouer énormément. Parce que j'ai l'intention de lever un tout petit peu le pied. Mais hey! Alors, vidéo pas du tout prévue à la base, donc c'est pas très grave. On va tout simplement jouer en... Royal Rumble, Women's Royal Rumble, afin de piocher plein de cartes après une victoire qui sera, je pense, écrasante. Alors pour l'instant, j'ai pas mes cartes fortes qui sortent. On va bien voir. Mais dès que mes... voilà. Bon, il y a Mickie James qui sort là avec la carte SummerSlam 17 de Noël. Qui peut-être battre Naomi, notamment en robustesse. Et évidemment, en vitesse et en puissance, voilà. Donc ça, c'est fait. Ok, pour l'instant, j'ai pas mes WrestleMania 33 Pro qui sortent. Hein. C'est pas très grave, elles vont finir par sortir. Elles vont finir par sortir. Donc hop. Je suis tout fébrile parce que je m'attendais pas du tout à ça. Après, quand j'ai vu que j'étais presque niveau WrestleMania 34, je me suis dit, est-ce qu'on peut pas pousser un peu, juste histoire de passer, hop là, un tout petit peu au niveau WrestleMania 34, même si j'y reste pas de façon permanente, histoire de pouvoir d'une part récupérer ma freebie, et d'autre part, de pouvoir ensuite récupérer mes fameuses récompenses de progression, puisque j'en ai deux, hein, j'en ai utilisé deux, j'en ai récupéré deux lorsque je suis passé niveau titanesque, et j'en avais laissé deux justement pour mon futur passage au niveau WrestleMania 34. Qui a du coup été un petit peu précipité par cette carte WrestleMania 34 de Triple H, durement gagnée dans le mode Last Man Standing. En tout cas, je suis très heureux, on va bien voir quelles seront mes trois premières cartes standard WrestleMania 34. Mais ça fait 3 cartes d'un coup, quoi, avec les récompenses de progression. Alors ça aurait pu être 4, c'est vrai, si j'avais pas cédé à la tentation de récupérer ces quelques récompenses lors de mon passage au niveau titanesque. Mais c'est pas très grave. Sur le long terme, je ferai peut-être des pros avec Brock Lesnar et Carmella, qui avaient donc été les deux cartes que j'avais récupérées
lors de mon passage au niveau titanesque. Du coup, je sais pas trop si je vais pouvoir... Ouais, allez, je vais marquer un petit point avec la robustesse de Natalia. Alors, cette image de la fusion ultra rare passe très bien sur cette carte spéciale Noël. Allez, puissance, ça pourrait passer. Et ça passe. Ça passe, parfait. Bon, ça n'influe pas sur le nombre de pioches que je vais avoir. Ça influence juste le nombre de points que je gagne après la partie. Allez, 13 pioches. Avec donc 23 cartes sur le tableau. On va avancer lentement mais sûrement parce que je vais avoir ma freebie WrestleMania 34. Oui, je l'ai bien dit. Ma freebie pour le niveau le plus élevé actuellement. Allez. Non. Il faudra jouer une deuxième partie. Allez, on est bien là. On est bien. La vidéo pas prévue qui devrait pas durer trop longtemps quand même. La vidéo de l'enthousiasme, la vidéo de la bonne humeur, la vidéo de la fête. La vidéo de... du passage au moins temporaire au niveau WrestleMania 34. Et là vous imaginez, paf, j'ai une pro. Ce serait complètement dingue. Techniquement c'est possible. Techniquement c'est tout à fait possible. Ok, donc Nia Jax... Hop, on envoie la robustesse parce que Naya est forte en robustesse. On essaie de tenir le ring avec les cartes Summer Slam 17. Voili voilou, vitesse, qu'on va utiliser deux fois pour préserver mes cartes le WrestleMania 34. Charlotte Flair, c'est une pro, d'accord. On peut envoyer Alexa Bliss. Je préserve un petit peu Natalia. Je préfère préserver mes cartes les plus fortes vers la fin. Au cas où. Et encore une fois, les matchs Royal Rumble, je les gagne pas à la fin. Je les gagne avant. En assassinant l'adversaire, justement. Exactement comme je suis en train de faire. Pour écraser tout espoir. Oui, Naomi, tout à fait. Concentrons-nous, certes. On est en train de faire la fête, on célèbre, mais on se concentre. Ok. Donc je pourrais envoyer une autre carte en charisme, donc la puissance évidemment, pour préserver le plus possible Naomi dans les autres stats, les stats les plus faibles, et ainsi tenir le ring un peu plus longtemps. Donc généralement mes matchs Royal Rumble ça se passe toujours comme ça, ou presque toujours comme ça. Généralement, ce genre de ligue, ce ne sont pas les ligues qui me posent le plus de problèmes parce que j'ai une construction de deck assez efficace. Allez, vitesse. Parce que Natalia est plus forte en puissance. C'est aussi pour ça que je fais ça. Ok, parfait. Voilà, vitesse. Donc ça va pas poser de problème. On va gagner 10-0. Et avec ces 12 nouvelles pioches, je suis assuré d'avoir ma freebie. On se frotte les mains. Ah oui, tiens, du coup, vu que j'en parle, j'ai pioché des graines tout à l'heure et pour cause, l'événement printemps dans le ring revient, au moins pour une semaine. Pour une semaine d'ailleurs, à partir du... Enfin, ça a commencé normalement et ça va durer jusqu'au 2 mai. Voilà. Donc je sais pas si je vais récupérer assez de graines pour y participer. On verra bien. Non. Ah mais c'est pas vrai. Il faut que je joue au loto, je suis l'homme le plus chanceux du monde. Le mec, il passe tout juste au niveau WrestleMania 34 et qui est sa freebie? Sa catcheuse préférée, Becky Lynch. Alors ça, si c'est pas le truc le plus invraisemblable depuis que j'ai commencé à jouer à Supercard,
déjà qu'au début de saison 4, j'ouvre un pack féminin grâce à des crédits qui m'ont été offerts par 2K. Boum, monstrueuse Becky Lynch. Et là, ma freebie WrestleMania 34, c'est Becky, avec une image qui est très sympathique, hein. J'aime beaucoup cette image. Ce serait pas la... Attendez, ce maquillage et cette tenue, elle les a eu quand? À quelle période? Peut-être aux alentours de WrestleMania 32, dirais-je. Je pense que c'est l'image qui a été utilisée pour l'affiche de WrestleMania 32. Ouais. Donc, hey, Becky Lynch, je vais admirer cette image. Parce que j'adore cette femme. J'adore cette carte. Voilà. Eh ben. Oh là là. Alors, tout de suite. Absolument tout de suite. Ah, purée. Oh, le bonheur. Oh, le bonheur. Becky Lynch, quoi. Mais ce pot, quoi. Cette chance. Mais cette chance. Mais est-ce que vous y croyez? Oh, yes. Oh, purée. Ah, j'ai envie de la mettre en image de profil, mais ça spoilerait les joueurs qui verraient mon image. Donc on va attendre un petit peu. Alors évidemment, maintenant, je l'entraîne en priorité parce que c'est Becky freaking Lynch. Et j'ai dû... Attendez. Non, c'est bon. Non, l'autre graine est verrouillée. L'autre graine est verrouillée, c'est pour ça qu'on l'a pas dans la liste. Voilà, voilà. Ouh. Eh ben, toutes ces émotions, ça... Ça fait tout bizarre. Ça fait tout bizarre. Oh là là, Becky Lynch. Ah, j'y crois pas. Ah bah, c'est absolument parfait. C'est absolument parfait. Et c'est pas fini, hein. Il y aura d'autres cartes derrière. Je verrai pour les jetons plus tard, parce que là, je suis encore sous le choc. Waouh. Oh, purée. Bon, allez, on va finir cette vidéo. Qui n'était pas prévue à la base. Tiens, on va ouvrir quelques packs gratuits, hein. On ne sait jamais, peut-être qu'on aura des pros là-dedans. Et après, on ira récupérer les deux cartes WrestleMania 34 garanties. Et ça va être la fin de la fête. Enfin, en tout cas, la fin de, voilà, de l'introduction à mon passage au niveau WrestleMania 34. Enfin, de toute façon, ce passage, il serait survenu un jour ou l'autre, parce que j'ai assez de contrats pour acheter une carte WrestleMania 34 dans le mode Money in the Bank. Et de toute façon, voilà, c'était l'histoire deux mois peut-être maximum. Mais effectivement, on peut choper quelques freebies comme ça, en passant même temporairement un niveau grâce au casse de momentum. Waouh. Parce qu'en plus, là, il est 22h35, il est tard. J'étais en mode, voilà, je joue posément, je remplis quelques défis, tout ça, parce que j'avais pas joué de la journée. Et là, je me retrouve à faire une vidéo pour piocher ma freebie WrestleMania 34 et je tombe sur Becky Lynch. Oh mon dieu. Ah purée. Et c'est juste une carte, hein. Ma réaction est totalement disproportionnée parce que c'est juste une carte, mais bon sang. Parfois, il arrive de ces trucs dans les jeux vidéo, même si ce sont des cartes virtuelles. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Allez, pouf. Ouais, les packs gratuits, j'y croyais pas trop, mais... Après tout, avec la chance que j'ai ce soir, on aurait pu penser que... Mais non, c'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Allez. Donc, on va pouvoir récupérer mes récompenses d'échelle qui m'attendent. Alors, comme je l'ai dit, j'en ai récupéré deux lorsque je suis passé au niveau titanesque. Une masculine et une féminine. Donc voilà, les deux. La première à 6500, la deuxième à 9000. On va commencer par la masculine, tiens. Allez. Donc j'ai dépassé les 15 000 matchs il y a quelques temps, notamment grâce aux nombreux événements auxquels j'ai participé. Tout ce qui est route pour la gloire, et je pense que c'est surtout la dernière domination du ring qui m'a fait progresser, en termes de nombre de matchs. Et les matchs en sauvage et en guerre que j'ai pu faire pour le mode Last Man Standing. Allez, la masculine, et c'est The Miz. Ça c'est awesome. Je suis content pour The Miz, c'est quand même un catcheur qui est très 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 doué dans ce qu'il fait. Donc bienvenue Miz, dans ma collection de cartes. Et maintenant, carte féminine, qui va équilibrer peut-être un petit peu mon deck dans la route, dans le Last Man Standing, sauf si c'est Becky Lynch. Et c'est Sonya Deville, voilà, ce n'est pas Becky Lynch. Là, j'aurais sauté au plafond, il y aurait eu un trou. Ah purée. Parfait, parfait, parfait. Excellent. Excellent, deux cartes féminines pour le Sonya 34.
et j'ai désormais autant de cartes masculines que de cartes féminines au niveau WrestleMania 34. Bon, bien sûr, Triple H étant quand même le plus puissant, il compte presque pour deux cartes masculines. Voilà. Ouh. Ah, j'en suis tout chose. Ah là là. Bon. On va juste recharger les cartes dans le mode King of the Ring. Si jamais je passe, c'est tant mieux. Si je ne passe pas, c'est tant pis. C'est tant pis. Parce que de toute façon, ma soirée est faite. Il n'y a pas de problème. Là, je pense que je peux m'arrêter de jouer pour ce soir. Ma mission est accomplie. La mission choper 3 cartes au final à 34 est terminée. Voilà. Bon, alors du coup, avec ces cartes-là, j'ai pas l'occasion de m'assurer une place permanente au niveau WrestleMania 34. Mais au moins, de façon. Voilà, au moins c'est temporaire. Voilà, au moins c'est temporaire. Mais j'ai chopé les cartes qu'il fallait. 3 cartes WrestleMania 34. C'est absolument parfait. C'est absolument parfait. Et cette carte de Becky Lynch, quand même, vachement sympathique. Waouh. Alors je m'imaginais pas vraiment la voir dès le premier coup. Enfin, oui, bien sûr, je m'étais dit, ouais, quand je serai niveau WrestleMania 34, j'aimerais bien avoir Becky, par exemple. Mais bon, vous savez, il y a plein de cartes. Les chances pour que je tombe dessus étaient très, très, très minces. Et ben voilà, je suis tombé dessus. Voilà, comme ça, parce que je sais pas, je dois avoir un bon karma. La récompense, une deuxième récompense pour le mode Last Man Standing, pour avoir été tenace. Voilà, voilà. Bon, on va finir là-dessus, hein, voilà, puisque de toute façon, j'ai pas d'autre chose à dire, hein. Je suis un peu tremblant parce que je suis tout excité, c'est... c'est absolument génial. Waouh. Tellement d'émotions. Et c'est qu'un jeu de cartes, et c'est une application gratuite en plus. Waouh. Alors certes, j'ai également récupéré des crédits, grâce à la réussite. Mais les crédits, mais c'est tellement rien comparé à la chance que j'ai eu de piocher cette carte. Et puis également de mise. Et Sonia Deville qui est très important. Et qui est compatible avec Becky. Parce que Becky est une flèche vers le bas. Sonia est une flèche vers le haut. Alors certes, elles ne sont pas trop potes. En termes de scénario, évidemment. Les femmes, j'imagine qu'elles s'entendent bien. Ou peut-être pas, j'en sais rien. Mais pour le coup, là... ça va être utile pour les matchs, les matchs par équipe. En tout cas, waouh. Just waouh. This is amazing. Alors du coup, je vais sacrifier pas mal de cartes bestiales, je pense, pour améliorer toutes ces cartes-là. Y compris The Miz. Surtout The Miz, en fait, puisqu'il va me permettre d'améliorer mon deck en route pour la gloire. Et j'ai également Matt Hardy à améliorer. Voilà, donc les bestiales vont plus me servir. Je vais peut-être juste faire Tommaso Ciampa quand même, parce que je l'ai commencé, j'ai bien avancé, j'ai presque terminé. Et voilà. En tout cas, ouais, c'est tout pour cette vidéo qui n'était pas prévue à la base, mais qui est incroyablement festive. Et voilà. Cette classe, cette chance. Donc on va finir avec... ces choses-là sur mes yeux et je ne vois plus rien. En tout cas, c'était mon passage au moins temporaire au niveau WrestleMania 34 avec mes trois premières cartes standard. Triple H ne compte pas vraiment. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur Supercard et pour d'autres vidéos, que ce soit dans les jeux de catch ou dans d'autres jeux. Salut tout le monde, à la prochaine.